première question. Alors, les objectifs d'évaluation qui sont déroulés sont plus de 80 à 50%. Alors là, vous allez choisir là ou B pour répondre. Les bactéries de 20 à 50%, oui ou non? Oui. Quand les bactéries sont supérieures à 50%, c'est l'avenir de malade. Il est toujours concentré. Donc il faut le remplir. Diurèse supérieure à 1 litre. Oui. Fréquence cardiaque inférieure à 100. Oui. Bah oui. La tension artérielle systolique est supérieure à 120 mm. Oui. Les indications d'aspiration chez les brûlés. Brûlure respiratoire. Cervical, visage, circulairement, non. Bien sûr, ça ne veut pas que ça devienne asphyxie. Le bilan d'un brûlé doit comporter obligatoirement gaz de sang artériel, RFS et le tour sanguin, dosage du CO. Obligatoirement, nous avons dit. Non, quand par exemple, j'ai la casserole, non, attention, alors obligatoirement, nous avons dit. Trop manique. Non. Obligatoirement, ça veut dire quel que soit. Gaz de sang pour évaluer le ressentissement sur le. Les risques d'une brûlure circulaire du membre sang. Les signes distincts. Oui. Aggravation des brûlures. Non. Bien sûr, syndrome de l'autre. Oui. Infection locale. Oui. Oui. Voilà. L'infection, elle est toujours là, qu'elle soit circulaire ou non. Donc, on n'est pas spécifique. Le risque d'une brûlure circulaire. Oui. Quelle que soit la brûlure, il y a un risque d'infection. Les objectifs de pansement local, c'est brûlure. Réduire la douleur locale. Oui. Prévenir l'infection. Oui. Rompre le pansement humide. Non. Oui. Bien sûr, je suis là. C'est quoi, cher? Pourquoi on met des douleurs là? Parce qu'il soit humide. Pourquoi on met de la pharmacie? Parce qu'il soit humide. Favoriser la cicatrisation. Oui. Parmi les indications de décision très précoce. Parmi les indications de décision très précoce. Brûlure circulaire des membres. Oui. Les brûlures localisées au circulaire. Brûlure de 3e degré, quelle que soit la localisation, est étendue. Non. Brûlure circulaire du thorax. Non. Brûlure du visage. À toi, définir l'électrisation. Voilà, c'est l'ensemble des manifestations qui sont secondaires au passage du courant électrique dans l'organisme. Et l'électrocution, c'est un MABCD à la suite de l'électrisation. Oui, les mécanismes d'une brûlure électrique sont passage du courant électrique. Oui. Arc électrique, flash. Oui. Brûlure d'événements. Non. Association de deux ou trois de ces mécanismes. Association, ça va. Non. Deux ou trois. Allez, nous autres balles. Voilà. Deux balles. Passage du courant, arc électrique. Les critères d'hospitalisation des brûlés sont de brûlure supérieure à 10%. Voilà, il faut préciser. Normalement, brûlure supérieure à 10%, je suis la vie. L'âge est arrivé à 3 ans. Oui. L'âge supérieur à 60 ans. Oui. Pathologie grave résistante. Oui. Brûlure respiratoire. Oui. Principale cause de brûlure du nez chez l'enfant est. L'art principal, les kitschos, très bien. Choisir l'art ou les bons dépenses, c'est le principal mécanisme de la brûlure thermique. Sans, par contact, par flamme, par rayonnement favori. Par flamme, par contact, par rayonnement. Les principaux, peut-être.
Femme est par contact. Zoe. Contact. Réponse exceptionnelle. C'est à choisir. C'est à choisir. La principale. Ça dépend. Quand c'est l'enfant, c'est généralement contact. C'est fait par contact. Les volumes de deuxième degré superficiel sont caractérisés par une couleur rosée, présente de critères, non douloureuse, cicatrisation impossible en 2 semaines, non, cicatrise au bout, moins de 2 semaines. Les causes de détresse respiratoire, chaîne brûlée, période secondaire, inhalation de fumée, produit toxique dégagé par la fumée, oui, médiateur d'inflammation, oui, hypovolémie, oui, fumagène. Pour venir de l'artiste, d'accord ? D'accord. Parmi les signes cliniques d'un état de choc, c'est la détresse respiratoire. Les critères de gravité d'un brûlé sont étendue des brûlures, oui. Profondeur des brûlures, oui. Localisation, oui. Le terrain. Oui. Ouais. Cardinique de noir, vous êtes dans un service de tête de ventre, c'est un enfant de 2 ans qui présente une brûlure des membres supérieurs. Les membres supérieurs et de l'abdomen provoquent une coagulation bouillante. Ses parents l'ont amené directement au service d'urgence avec leur bébé. Qu'auriez-vous fait à la femme, à la place des parents de cet enfant immédiatement après la brûlure? Le phénomène de colis et le courir pour éviter l'hypothermie. Donc colis plus couvercle. Après une évaluation clinique rapide, quels sont les gestes thérapeutiques à effectuer? Allez, je remplis ça. Jola. Antalgie. Jola. Consommant. Antalgie. D'accord. Remplir le malade. Par quel fourmis vous allez remplir? Carvajal. D'accord. Fourmis de Carvajal. Carvajal. Déchet. Je vais prendre 2 litres par mètre carré de surface en rapport de base et 5000 millilitres par mètre carré de surface brûlée totale. C'est la formule, c'est 5000 par mètre carré de surface mécanique plus 2000 millilitres par mètre carré de surface mécanique, en mètre carré. Voilà les apports de l'observateur. Les apports de base, c'est 2 litres par mètre carré. Les volumes, formule de Carvajal égale 5000 millilitres par mètre carré de surface cutanée brûlée. Il y a un énorme 10%, 10% de sa surface cutanée brûlée. Ça fait que je vais tout à l'heure, par exemple. Je 5000 par la source, plus 2000 millilitres par mètre carré du surface cutanée du malade de l'enfant. Alors, vous pouvez le total, plus de 1000. Allez. Comment peut-on calculer rapidement la surface brûlée? Alors, il faut se remettre au tableau de Brown de Lander. Hein? Voilà. Allez. Cet enfant présente des brûlures au deuxième degré superficiel et profond, des faces antérieures et des deux membres supérieurs, et de la face antérieure du thorax, du tronc. Non circulaire, sans atteinte des organes génitaux externes ni cervico-céphaliques. Allez, il faut revoir le tableau. Hein, pour le calculer. Sinon, vous pouvez, si il peut être calculé avec la règle de notre voilà, vous pouvez le calculer, mais avec des petites erreurs. Et comme le tableau demande des rendez-vous en France, si vous n'avez pas, vous pouvez calculer avec la règle de notre voilà. En sachant que la région céphalique est plus importante qu'il y a des erreurs. Alors, quels sont les éléments cliniques d'évaluation de brûlure? Non, les éléments cliniques d'évaluation. Quels sont les éléments cliniques d'évaluation de brûlure? Hein? L'étendue de la surface. C'est la présence des vitelles, la présence, etc.
des éléments. Cet enfant peut s'inscrire au tel solide que les autres pour la manifestation de en quelle quantité pour la première heure. Voilà, si vous avez calculé le pourcentage, déroulé. Pas des choses, c'est pas ce que je dis. 27%. Cet enfant peut s'inscrire au tel solide que les autres pour la manifestation de d'abord, quelle solide? Alors vous allez calculer la surface supplémentaire par mètre carré, peut-être. Sa surface supplémentaire, madame. Il fait 500. En même temps, elle fait tout, madame. 4 mètres plus 7, plus 6, plus 90. Alors je fais un kilo. Je vais vous donner un peu plus d'appel, soit dans un centre spécialisé, soit après.
degli stati. E ora non ho più il prossimo tempo. Io non ho più il prossimo tempo. Per fratissimo il sistema di contenuti. Non li prego di partire. Termini qua. Soffio di luci di mamma.